à tous, je suis super heureuse d'être parmi vous au Smile and Songs Festival. Je me présente, je m'appelle Camille, je suis youtubeuse et musicienne. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Camille Présidente. Et aujourd'hui, j'ai un message de grande importance à délivrer aux femmes ce soir. Le 8 mars dernier, on célébrait la journée de la femme. Et si j'ai un message à faire passer pour vous les femmes, c'est celui-ci. Je sais pas vous les filles, mais moi je trouve que quand on est amoureuse... On est tellement connes. Chérie, 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 papillon, papillon. Mais qu'est-ce qu'on peut être naïve. Moi, avant, je croyais à chaque battement d'aile d'un papillon. Et puis, un jour, le camion est passé et a écrasé le papillon. Non, vraiment, moi, personnellement, je crois plus trop en l'amour, en fait. Non, là, franchement, il m'arrive que des merdes. Ou je devrais plutôt dire, il m'arrive que des couilles. Parce qu'une merde te met rarement enceinte du jour au lendemain. À moins que... La merde soit vraiment très très, mais alors vraiment très 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 amoureuse. Voilà. Mais bon, un jour, j'ai quand même pris sur moi et puis je me suis dit, Camille, tu peux pas rester célibataire toute ta vie. Voilà, même si tu as un enfant, que tu l'élèves seule, il faut que tu tournes une page. Et puis un jour, comme ça, je me suis plantée devant ma télé et j'ai vu un conte de fées qui franchement m'a... Franchement, un conte de fées qui, franchement, pour la première fois de ma vie, m'a parlé. C'était pas un conte de fées mythomanique avec un prince charmant, avec un cheval blanc, une fille qui a des extensions 3000 pouces pour sortir de chez elle. Enfin, non, c'était vraiment un vrai conte de fées qui parlait à ma vie. Je sais pas si tout le monde a vu Shrek ici. Ouais. Bah, Shrek, c'est simple. Le mec, il vit dans un marais. Il met pas de déo, pas de parfum, pas d'aftershave. Et là, je me suis fait, bah, voilà. Ça, c'est un mec de la vraie vie. Il mange des champignons, il a des champignons sur les pieds, mais c'est ça qu'on m'a caché en fait. C'était vraiment ça dont j'avais besoin. En fait, c'était le message auquel j'espérais et j'aspirais depuis lors. Seulement, dans ce conte de fées, c'est pas un conte de fées. En fait, c'est tellement vrai que dans les faux contes de fées, en fait, on fait croire que la princesse va embrasser un crapaud, le crapaud, pouf, il va se transformer en prince. Alors que là, c'est tout l'inverse en fait. C'est un crapaud qui embrasse une princesse, et la princesse qui se transforme en Shrekesse. Donc déjà, je me suis dit, mais c'est ça la vérité en fait, parce que généralement, quand tu rencontres une personne, eh ben, tu déteins sur cette personne, forcément. Le mec t'invite, il vient t'inviter boire un verre, puis un deuxième verre, une bière, deux bières, trois bières, des frites, des frites, des frites. Puis après, tu te retrouves comme les mamas de Matonguay, comme ça, là, avec un QXXL. Tu vas faire les cheveux? Les cheveux, les ongles, tu vas faire les cheveux pas cher, hein? Non. Sincèrement, moi j'ai rien contre les Africains. D'ailleurs, j'ai envie de finir sur un conte tellement criant de vérité. Et c'est un petit message pour nous dire qu'en amour, il ne faut pas se fermer. Quoi qu'il ait pu nous arriver dans la vie. Alors j'ai envie de vous raconter l'histoire du baobab. Un jour, c'est un lièvre qui vient prendre du repos auprès du baobab. Et là, il lui dit, oh baobab, j'aime tellement l'ombre que tu déposes sur moi. Mais je ne pense pas que tes fruits sont aussi bons que l'ombre que tu me donnes. Et le baobab, il fait... Pouf, il l'assomme d'un coup de baobab pour que le lièvre puisse goûter son fruit. Le lièvre goûte le fruit. C'est bon. Et là, le lièvre lui dit oui. Merci pour le baobab, mais ton cœur est très froid. Tu te fermes trop aux gens. Alors là, le baobab... Il est tout content qu'on lui fasse plein de compliments, tout ça. Donc, il ouvre son cœur comme ça. Et là, le lièvre, oh, il voit que dans son cœur, il y a un grand trésor. Il y a plein de vêtements pour sa femme, des bijoux, des chaussures. Alors, il prend tout, il offre tout à sa femme. Et il est super content. Et là, sa femme, elle fait ce que les femmes font toutes. Elle parle trop. Elle sort dans Matonguay avec ses beaux vêtements. Et là, elle croise une hyène. Et la hyène lui dit, mais comme tu es bien habillée, mais où as-tu eu tout ça? Alors elle lui raconte l'histoire du baobab que son mari lui avait raconté la veille. Là, le fruit, l'ombre, elle a ouvert son cœur. Là. Et comme un coup de baguette magique, la hyène s'exécute auprès du baobab. Le baobab lui ouvre son cœur. Et là, la hyène, elle pille tout sur son passage. Oh, et le baobab, très vite, il referme son cœur. Mais le mal est fait, c'est trop tard. Et à tout jamais, le baobab n'ouvrira plus jamais son cœur.
Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive souvent quand on a encore trouvé notre confiance, quand on pense que tout va aller bien en amour. Mais aujourd'hui, je suis peut-être la preuve vivante de vous dire qu'il ne faut pas fermer ce cœur et qu'il faut rester ouverte, en tout cas, à des rencontres plus heureuses. Je vous remercie de m'avoir si chaleureusement accueillie. Merci à la directrice, merci à tous ceux qui ont aimé mon sketch et puis les autres. Voilà, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. À bientôt, c'était Camille Présidente. À la prochaine. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it.